Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Sparica. Nous sommes aujourd'hui avec l'électrobrosse de chez Roventa. Donc électrobrosse qu'on rencontre sur la plupart des aspirateurs Roventa. Donc cette électrobrosse évidemment est vendue en pièces complètes comme ceci, mais il y a quelques pièces qui sont disponibles et qui peuvent sauver la vie de votre électrobrosse. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire sur cette électrobrosse et quelles pièces changer. Donc sur cette électrobrosse, nous allons vous montrer comment changer les deux petites roulettes ici qui peuvent se casser ou se défaire et par la même occasion, vous pouvez les perdre. Donc on va regarder comment on peut les changer. Tout simplement, il nous faut un tournevis plat, assez fin et assez long. Je vais venir... Alors si les petites roulettes sont déjà enlevées, bah, évidemment, il n'y a plus besoin de le faire. Mais si vous devez les retirer, vous passez votre tournevis comme ceci et vous tirez vers le haut doucement. Voilà. Hop, et voilà. Et là, on a sorti la petite roulette. Attention à ne pas perdre l'axe, parce que là, l'axe n'est pas disponible en pièces détachées. Par contre, les petites roulettes, elles, sont disponibles. Donc il suffit de remettre la nouvelle roulette ici sur son axe, remettre ici la roulette à sa place et appuyer tout simplement sur la roulette pour la rentrer. Voilà, et vérifier qu'elle tourne. Voilà, elle est en place, elle tourne, il n'y a plus de problème. La roulette est remplacée. Nous vous avons montré comment changer les différentes pièces de votre électrobrosse Roventa. Donc cette vidéo sera mise sur YouTube comme toutes les vidéos que nous faisons, une vidéo publiée tous les jours. N'hésitez pas lorsque vous regardez cette vidéo à liker pour dire que vous aimez la vidéo, à poser aussi des questions, vous pouvez mettre un commentaire, poser une question et on y répondra directement sur YouTube ou nous rejoindre sur le forum Spareka où vous pouvez poser les questions techniques que vous voulez avec la marque et la référence de votre appareil. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt sur Spareka YouTube.